sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I've got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I am driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Mélanie et je partage ici ma passion pour les arts du fil. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Mel Mélanie au fil. Mélophile. Tu peux me retrouver avec le même pseudo sur Instagram où je partage un petit peu plus régulièrement. Je voulais commencer le podcast par remercier toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo. J'avoue que je ne m'attendais pas à un tel visionnage et ça m'a vraiment motivée pour recommencer à tourner un podcast. En plus, vous avez été nombreuses à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et j'avoue que ça rend le partage plus réel et enfin ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir un retour de votre part à ce niveau-là parce que je me sens un petit peu moins sale à parler face à ma caméra. J'espère que ce nouveau podcast vous plaira autant et on va commencer maintenant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir dans les vidéos antérieures, j'ai participé à un petit tricoté qui se tenait dans ma ville où j'ai pu échanger sur mes projets actuels. On m'a encore donné des conseils et on m'a surtout donné des conseils en couture parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une grande partie couture dans ce podcast, donc je la mettrai à la fin. On va rapidement passer sur les projets terminés parce que j'ai zéro projet terminé aujourd'hui. C'est pas grave, on n'est pas là pour faire des chiffres, on est là pour s'amuser. Mais j'ai beaucoup de questionnement à dire sur mes projets en cours et je vais vous les présenter dans quelques instants et j'espère avoir un échange avec vous pour que vous puissiez me donner vos conseils parce que j'avoue que là dernièrement j'ai un petit peu enchaîné les galères. Si vous avez vu mon dernier podcast, vous savez que j'ai eu le Covid. Alors est-ce que la fatigue du Covid joue sur les galères que j'ai pu avoir au tricot? C'est possible. On va passer maintenant aux objets en cours. Le premier objet en cours, ça y est, là, je crois que vous commencez à bien le connaître, c'est mon pull Trescao. Qui avance. Il a ses deux bras et une bonne partie, je vous le montre à l'envers, une bonne partie du corps. Donc je le tricote dans les laines de Bulbe Bizarre, Market Space, doublé d'un mohair de chez Adriafil. Et j'ai toujours des soucis quoi avec ce projet, j'arrive pas à le terminer parce que je suis un peu perfectionniste et je veux pas... Enfin, au vu du temps passé sur un projet, je préfère y passer encore un peu plus de temps et qu'il soit parfait plutôt que de me dire je coupe et tant pis. Du coup, je crois que je vous avais quitté, il y avait du pooling à ce niveau-là. Donc, j'avais décidé de finir mes deux manches. Elles ne mesurent pas la longueur finale parce que je vais terminer avec mon écheveau 3 qui est d'une couleur plus foncée. Je vais terminer la manche en point mousse. Donc, normalement, elles font quand même la même taille. Quand j'ai eu fini mes deux manches, j'ai attaqué le corps. J'ai défait une grande partie du corps, mais j'avoue que j'ai pris peur parce que j'avais peur de défaire trop haut ici et que ça me fasse quelque chose qui va pas avec les manches. Du coup, je m'étais mis un petit marqueur mandarine pour savoir où m'arrêter. Mais là, je pense que franchement, le pooling, ça se voit peut-être un petit peu ici, mais ça reste beaucoup moins fort et prononcé que la dernière fois. Et quand le pull y sera terminé, ce sera... je pense que ça se verra vraiment plus. Mais j'ai encore des problèmes sur ce pull, j'en ai un petit peu marre. C'est que je fais la méthode hélicoïdale pour alterner les écheveaux. En soi, la méthode n'est pas compliquée, mais il me reste ces deux boulettes de mes deux écheveaux qui ont la même couleur. Et comme vous pouvez le voir, il y en a une qui est carrément plus grosse que l'autre. Je les ai pesées,
Il y a plus de, je crois que 20, 25 grammes de différence entre les deux. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire la méthode hélicoïdale en faisant deux tours avec ma pelote la plus grosse, un tour avec la plus petite pour essayer de manger plus de cette laine. Enfin bref, vous avez compris. Et sauf que, en faisant cette technique-là, eh bien, je trouve qu'on voit la maille. Enfin, il y a une maille qui ressort beaucoup sur le tricot. Je vais vous montrer. Ici, ici. J'ai pas l'impression que ça se voit trop à la caméra. Mais enfin, clairement, il y a des trous, quoi. Donc, ben, je m'en suis rendu compte pas tout de suite. Et enfin, je me disais peut-être qu'en faisant d'autres rangs, ça allait moins se voir. Mais non, ça se voit encore. Donc maintenant, j'espère que au blocage, ça va disparaître. Mais j'ai quand même pris la décision de alterner les échevaux un rang sur un rang. Donc en gros, je fais la méthode comme elle doit se faire. D'ailleurs, c'est peut-être ça le problème en fait. C'est peut-être le fait d'avoir fait deux rangs qui m'a créé une plus grosse maille. Bref, il me reste donc ces deux. Quand j'aurai fini l'alternance entre ces deux, je prendrai le fil du milieu ici pour alterner avec le fil du milieu et le fil de l'extérieur. Et je pense qu'en faisant ça, normalement, on n'aura pas de problème. Parce qu'effectivement, dans les rangs suivants où j'ai commencé à faire ça, la fameuse grosse maille, elle est moins visible. Deuxième chose aussi, alors c'est peut-être pour ça, hein. Donc je vais vous dire, je vais tout vous dévoiler, comme ça vous pourrez vraiment me donner vos conseils. Deuxième chose, c'est que je fais suivre mon mohair. Donc là, vous allez le voir. En gros, j'ai pas un fil de mohair et un fil de fingering, puis un fil de mohair et de fingering. J'ai deux fils de fingering et le même fil de mohair que je fais, enfin que je prends quand je glisse les mailles, je le garde et je les récupère avec l'autre. Alors c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des mailles qui sont plus serrées que d'autres et d'autres plus détendues. Donc j'attends vos retours en commentaire si vous avez une explication, un conseil. Ou pour me rassurer en me disant que ça va disparaître au blocage. On verra. En tout cas, je ne vais pas défaire parce que de toute façon, ça reste problématique le fait que ça fasse du pooling. Et je préfère avoir quelques mailles qui soient un peu plus grosses. Et franchement, ça se voit pas parce que avec les couleurs qui changent, ça se voit vraiment pas. Je préfère avoir ça plutôt qu'avoir une grosse bande de pooling. Donc voilà où j'en suis de mon joli pull Triscao. Deuxième projet en cours, ce sont les chaussettes que j'offre à mon beau-père pour Noël. Donc elles se présentent comme ça. La dernière fois que je vous les ai montrées, j'avais déjà commencé les côtes. Donc moi j'aime beaucoup commencer par les côtes 1-1 semi-torse. Ensuite là j'ai fait je crois 40 ou 50 rangs. Vous inquiétez pas, je me le suis noté pour faire la deuxième pareil. Un talon renforcé et là je commence à faire le gousset avec les diminutions. Et pour le moment ça c'est mon tricot boulot. Parce que c'est clairement facile, on peut le prendre comme ça prend pas de place. J'adore tricoter des chaussettes. Je le fais dans les laines de chez Bulbe Bizarre. Celle-ci, c'est la Voix de l'eau. Et celle-ci, c'est Madras. Qui vont vraiment super bien ensemble. Elles sont dans ce beau sac à projet, assorti à la chaussette, plus ou moins. Et ça avance tranquillement. Troisième et dernier projet en cours que vous connaissez déjà, c'est le châle Les yeux dans la vague que je fais aussi pour un cadeau de Noël. Youp. Mais celui-ci, il a quand même bien avancé. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré,
Je venais tout juste de le défaire et de recommencer. Je pense que je devais en être vraiment à ici. Et depuis, il a quand même bien grandi. Donc, bien sûr, j'ai un câble trop petit pour vous le montrer. Mais on commence à voir un peu de beaux motifs. Et je pense que le blocage va vraiment lui rendre justice. Il sera très beau. En tout cas, pour faire un retour sur cette laine, donc c'est la Alpaca Socks de Long Yarn. Vraiment, c'est un plaisir à tricoter. Elle est douce. Elle est un peu poilue, donc ça crée un peu un halo. Vraiment très cocooning, je sais pas. On a envie de s'y glisser dedans. Il me reste ça, de ma petite balle. Je suis pas loin de la fin. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais un châle comme ça, où on commence, enfin, où on fait que des augmentations. Et j'avoue que là, on est à 400 mailles. C'est un peu long, quoi. C'est pas un truc qu'on peut dire, allez, je le prends vite fait, je fais quelques mailles. Non, c'est pas possible. Là, en vrai, pour me faire un rang, après, moi, je tricote plutôt lentement. Je pense qu'il me faut bien 20 minutes pour faire un rang. Donc, ouais, il faut quand même que j'ai une petite pause de 20 minutes pour m'y mettre. Ensuite, je voudrais faire un petit retour aussi sur les comptes rangs comme ceci. Ben écoutez, moi j'aime beaucoup ce compte rang. Je l'utilise, c'est le premier projet sur lequel je l'utilise. Je trouve que c'est mieux que ça. Pourquoi? Parce que sur un projet où on fait de l'aller-retour, eh bien des fois on va le mettre ici, l'anneau, enfin je sais pas. Et donc je trouve que c'est beaucoup moins pratique parce qu'on change son rang à la fin. Alors que là, c'est vraiment une fois qu'on a terminé son rang, hop, on tourne la molette et on peut commencer le rang suivant. Je vais surtout l'utiliser pour les châles, je pense, ce compte rang. Et celui-ci pour des chaussettes ou pour des pulls en dentelle qui se font en rond, en circulaire. Donc la partie projet en cours est terminée. Ça avance à son rythme. J'espère que la prochaine fois que je viendrai vous voir, j'aurai terminé ce pull Trescao. On verra, les paris sont ouverts. On va passer maintenant au projet futur. Donc en projet futur sur ma liste, j'ai un bonnet Oslo Hat que je vais réaliser pour mon papa dans les laines de Sok Una Troca et les laines Long Yarn, toujours la qualité Alpaca Sok, que j'aime vraiment bien cette qualité qui est très agréable à tricoter. Et ensuite j'ai une hésitation. J'hésite entre monter soit mon pull de Along avec Anna, le pull Scaffel, ou alors faire un cal. Donc j'ai vu sur le podcast de Pauline de Bulbe Bizarre qu'elle hésitait aussi à rejoindre le cal qui va se faire pour le Love Knot. Cal qui est organisé par Margeva et Melquette. Donc j'ai demandé à Pauline, parce que j'avais... Je connais pas encore ces personnes qui organisaient le cal et elle m'a répondu aujourd'hui en me disant que c'était ces deux personnes. Donc je vais me renseigner. Donc je sais pas. Je n'ai jamais fait de cal. Ça sera la première fois que j'en ferai un. Mais j'avoue que la peur de tricoter le Love Knot à cause de l'anglais disparaît si je fais le cal. Parce que du coup j'aurai de l'aide et ouais, de le faire en même temps c'est chouette. Mais en même temps, le Love Knot c'est quand même un pull qui est fin. Donc si je le tricote maintenant, ben je l'aurai pour l'hiver froid. Alors que c'est plutôt pour moi un pull d'automne, ou de fin d'hiver quoi. C'est pas un gros pull chaud. Du coup le Scaffel qui est vraiment un gros pull chaud, il serait plus logique que je le tricote maintenant. Comme ça quand je le termine, ben, c'est le moment de le porter. Et je vais réfléchir à la question, mais dans tous les cas, ce sera une bonne solution que je trouverai. Je vais maintenant vous présenter deux nouvelles laines, enfin nouvelles, que j'ai ramenées du Japon. Et comme je vous avais dit lors de mon premier podcast, je vais vous montrer un petit peu petit à petit les laines que je me suis ramenées du Japon, vous les présenter et vous expliquer les projets qui vont avec ou pas. Donc là, la première laine que je vais vous montrer, c'est une laine qui... pour le moment, on n'a pas de projet attitré, mais qui est magnifique. Donc, c'est celle-ci.
C'est de la marque Amirissou. C'est de la laine à chaussettes. Et je trouve cet écheveau magnifique. De très belles nuances de bleu. D'ailleurs, ça pourrait aller dans un châle les yeux dans la vague. Parce que le bleu, qui rappelle la mer. Mais en fait, ça c'est une laine à chaussettes. Mais il n'y a pas de nylon dans cette laine à chaussettes. À la base, je l'avais prise pour faire une paire de chaussettes. Parce que dans le magasin où je l'avais choisie, donc c'est toujours le fameux magasin Walnut Tokyo, de cette marque-là, il y avait vraiment celle-là qui était faite pour faire des chaussettes. Sauf que n'ayant pas de nylon dedans, j'ai peur qu'elle s'abîme vite. Donc j'attends de voir à quelle vitesse j'abîme mes chaussettes, à quels endroits je les abîme, pour voir si je peux l'utiliser ou pas. Mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé des laines qui sont 100% laine de mérino, mais qui pour autant sont dédiées à de la chaussette. Et la deuxième que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Baby Annie. Donc je vais vous la sortir, elle est trop belle. Donc c'est une laine écrue avec plein de petites couleurs dedans. Et c'est une laine pour faire quelque chose à un bébé. Donc pour 112 mètres, on a 40 grammes et c'est de la 100% laine. C'est de la 100% laine, mais enfin, dans mon souvenir, on avait traduit. S'il y en a qui parlent japonais, mais je pense que ça veut dire 100% laine. Voilà pour ces deux merveilles. La partie tricot est terminée et maintenant, on va parler de couture. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais je suis une vraie débutante en couture. J'ai déjà fait quelques sacs à projet avec l'aide du tuto de Rêver sa vie en couleur, qui est vraiment bien. Je vous l'ai déjà conseillé. Et j'ai aussi fait... On va commencer par ça. Comme ça, je me lance quelques fleurs avant de vous montrer toutes les bêtises que j'ai faites. J'avais fait aussi l'année dernière cette petite pochette. Donc c'est la pochette claire qui est faite par les créations de DM. Ce qui était bien avec cette pochette, c'est qu'on achetait le patron et sur YouTube, il y avait un pas à pas qui était filmé. Et j'avoue que quand il y a un pas à pas filmé, moi ça me rassure parce que vraiment je suis débutante et je peux voir comment on place la pièce sur la machine à coudre, quelle technique la personne elle utilise pour faire absolument tout de la pochette. Donc cette pochette, elle est en velours côtelé. Vous verrez, enfin moi je suis une adepte du velours côtelé, c'est vraiment une matière que j'adore. Si je pouvais m'habiller toute l'année en velours côtelé, je le ferais, mais c'est plutôt une matière pour l'automne, pour l'hiver. Donc elle se présente comme ceci. Yup. Elle est remplie. Donc on a des compartiments. 4 compartiments de chaque côté. Et en plus ici, il y a un petit zip, une petite crémaillère, avec une petite poche. J'avais mis une petite étiquette à l'intérieur. Bisous magiques. Donc c'est des tissus que j'avais achetés, je pense, à Mondial Tissu. Et j'ai suivi le pas à pas pour faire la jolie pochette. Et ma foi, le résultat est cool. J'ai fait cette pochette parce que j'avais quelques aiguilles circulaires fixes que je ne rangeais jamais. Et ça m'énervait de les avoir soit dans les plastiques de chez les marques, soit de les avoir dans mon sac à projet comme ça. Enfin bref, j'aimais pas trop. Moi, je suis un peu maniaque de l'organisation et j'aime bien que les choses soient à leur place. Donc, je m'étais motivée et j'avais fait ça. J'avoue que après l'avoir fait, je me suis dit, bon, ben ça va, en fait, je suis pas si débutante que ça. Parce que j'ai quand même réussi à faire un projet fini qui fait... Enfin, on croirait pas que c'est moi qui l'ai fait, presque. En plus... Vous allez voir, je me suis fait un kit. Donc le tissu qui est à l'intérieur, le tissu fleuri. J'ai mon sac à projet, mon sac à projet qui est dans le même tissu. Donc ça fait déjà un premier match. Et ensuite, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mon petit sac à projet aussi. Donc ça me fait trois choses
assorti pour le tricot. Et je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Et puis ce tissu, je sais pas, j'ai vraiment flashé dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce tissu, la première fois que je l'ai vu, c'est pas du tout dans un magasin de tissu, c'était dans une boutique de créateurs, je pense, ou de déco, mais un peu de déco réalisée de manière artisanale. Et il y avait un couvre-lit qui avait une partie en velours côtelé et une autre partie avec ce tissu à fleurs. Quand j'ai vu le tissu à fleurs, franchement, j'ai failli acheter le couvre-lit, mais n'en ayant pas besoin, je me suis dit, bon, c'est pas grave, même si le tissu est magnifique, tant pis. Et un jour, en allant à Mondial Tissu, bah, je tombe sur ce tissu-là, donc j'en ai pris pas mal, et j'en suis très contente. La dernière chose que je voulais dire sur la pochette, c'est que il me manque une chose. Comme je vous ai dit, c'est pour mes aiguilles circulaires, et à l'intérieur, du coup, il y a toutes mes aiguilles circulaires, mais je vois pas quel numéro j'ai rangé dedans. J'avais pensé plusieurs options, soit coller au fer les numéros, mais j'aimais pas trop cette option-là. J'ai décidé d'acheter des petites perles rondes avec les chiffres dessus et de venir les coudre. Comme ça sera bien aligné, plus facile à faire aussi. Mais je l'ai pas encore fait. J'ai reçu les petites perles là il y a pas longtemps, mais j'ai pas encore pris le temps de les coudre. Donc maintenant que je vous ai montré que j'avais un petit niveau en couture, bah, je vais vous montrer qu'en fait, bah, le petit niveau il a totalement disparu. Parce que dimanche dernier, je me suis lancée dans un projet que j'ai vu chez Lysandre Ourdin. Elle avait parlé de ce patron qui est l'audacieux, où on voit un petit slip là qui m'a l'air pas mal. Je suis dans une démarche un peu écolo, dans le sens où j'aimerais choisir un peu plus les tissus que j'utilise, que je porte surtout, et les choisir faits en France et en coton biologique. Mais le problème, c'est que tous les slips, les culottes, les t-shirts ou quoi en coton biologique faits en France, c'est hyper cher si on les achète déjà faits. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon ben je vais essayer de les faire moi-même. Mais pour commencer, je vais pas prendre un tissu haut de gamme, quoi. Je vais prendre un tissu le moins cher possible pour, si je me gourre, ne pas être triste de tout jeter non plus. Donc on est allé à Mondial Tissu avec mon copain et on a trouvé dans les coupons qui étaient soldés deux petits coupons de jersey. Un jaune et un gris que j'ai pas là, mais je vais vous montrer tout de suite. Pour que je puisse faire le premier slip, pour que j'en fasse un, voir si la taille va bien, voir si j'arrive à le faire, les coutures sont bonnes, etc. J'achète le tissu, j'achète aussi une aiguille double pointe, de l'élastique et je rentre chez moi et le lendemain je me dis allez go, on teste. Arrive le dimanche matin, je me motive, je découpe, déjà je fais un premier calque du patron sur le papier calque, je rajoute les marges de couture. Enfin, moi je vous dis, je suis débutante, hein, donc pour moi tout est nouveau. Pour m'aider, j'ai utilisé ça, je crois que ça s'appelle une règle japonaise, que j'ai acheté aussi il y a pas longtemps là, à Mondial Tissu, et j'avoue que ça va beaucoup plus vite pour rajouter les marges de couture. C'est une collègue qui m'a dit ça, et vraiment bon conseil. Donc je découpe tout ça, je commence à assembler, et déjà il fallait trouver un point qui soit élastique. J'ai trouvé un point élastique, c'est pas forcément le plus beau parce que oui, je n'ai pas de surjeteuse, je n'ai qu'une machine à coudre. Ce n'est pas le plus beau, mais bon. J'arrive à peu près assembler le tout. J'ai un peu honte de vous montrer mon truc. Mais bon, on n'est pas que sur des choses réussies, hein. On peut aussi faire des choses ratées. Donc j'ai fait ceci. Donc vous me direz, c'est pas si pire en soi pour l'assemblage. De là, ma foi, ça a été, de la partie de devant. J'ai fait une erreur ici où j'ai pas dû bien comprendre le patron. Parce qu'il y a une partie du jaune, normalement, qui doit être cousue avec cette partie-là. Donc, il y a un carré. Et normalement, le jaune, il doit être cousu un petit peu avec. Alors que là, il n'y a qu'une pointe. Et ça, c'est pas bon. Ensuite, j'ai réussi à faire
J'ai fait un peu des détails. Quelque chose d'assez élastique. Et surtout, j'ai réussi à utiliser l'aiguille double pointe. Ça, c'était un truc que j'avais jamais fait et j'ai réussi à l'utiliser. J'ai choisi un point très élastique. J'ai réussi aussi à coudre l'élastique en point zigzag. Donc ça, c'était bon. Mais au moment de mettre l'élastique sur son support, eh bien, j'ai vraiment eu du mal. Après, ça faisait déjà un petit moment que j'étais, je pense que j'étais un peu fatiguée. Et bon, j'ai la technique de il faut tirer l'élastique, en même temps coudre, mais franchement, il me manquait des mains. Hein. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'étais déjà avec mes deux mains que j'arrivais pas. Il me fallait une troisième main en fait pour venir tirer l'élastique sans que ça vienne tirer la machine à coudre. Donc, je sais pas. Pour le moment, ça reste comme ça. Je pense pas que mon copain le porte, mais j'ai quand même envie de le terminer pour voir si c'est la bonne taille. Et j'avoue avoir beaucoup appris parce que du coup j'ai appris sur ce patron à utiliser l'aiguille double, à raccorder comme ça un élastique. Et surtout là j'ai compris pourquoi ça n'allait pas ici, ma pièce. Donc même si c'est pas une réussite, moi je suis très contente d'avoir appris des choses en fait. C'est ça le but, c'est de comprendre ses erreurs. Parce que le pire c'est de ne pas comprendre ses erreurs. Mais j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim parce que ici... J'ai pas compris ce que je faisais pas bien. Mais ça tombe bien, mercredi, j'ai un cours de couture. Je vais pouvoir poser des questions sur qu'est-ce que j'ai mal fait et avoir des vrais conseils. À la base, le cours de mercredi de couture, c'est un cours qui est dédié à la réalisation d'un autre patron. L'autre patron, c'est celui-ci. Maison essentielle, les tenues bobo. Et j'ai envie de me faire ça. Donc pour vous dire toute la vérité, j'ai déjà eu un petit problème avec ce patron. Et j'avais essayé de faire le col V seul. Et de le faire un jour comme ça, sans aide, sans rien, juste en faisant, en suivant le patron. Et j'avais fait des très mauvais choix. Premièrement, j'avais pris de la gaze de coton. Avec des petites paillettes qui sont comme un peu en plastique. Et en repassant mon tissu, ça avait cramé les paillettes. Donc ça, c'est première erreur de débutante. Ensuite, j'avais un autre problème. C'est au niveau du col V. Il fallait poser un biais. Donc c'était le biais que j'avais moi-même découpé dans le tissu pour le poser. Et ici, à la jonction, c'était très moche. Et clairement, la tenue finale était importable. J'ai été un peu fâchée avec ce patron qui, normalement, est pour les débutants. Il y a... Ah non, niveau intermédiaire. Pardon, pas débutant, débutant. Mercredi, j'ai pris vraiment le cours de couture pour qu'elle m'explique à faire un col en V et qu'elle m'explique aussi comment utiliser ma machine à coudre parce que je ne sais pas l'utiliser. Pour le moment, je fais un petit peu au hasard. J'ai des petites notions sur la tension du fil. J'ai des petites notions sur l'écartement du point, mais ça suffit clairement pas. Je teste beaucoup avant de coudre sur le vrai tissu parce que je fais un peu des réglages au hasard, quoi. Et je me rends compte quand même que la couture, c'est... Faut y aller, quoi, hein. Là, pour décalquer le patron, j'ai dû pousser tout dans mon salon, étaler l'énorme papier, enfin, c'est long, quoi. Puis en plus, il n'y a pas les marges de couture. Et à l'époque, j'avais pas cette règle, donc j'étais avec ma mini règle là, en train de marquer tous les 10 cm un point. Franchement, ça m'a pris énormément de temps juste à faire le patron sur papier et ensuite à faire le patron sur tissu, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Donc là, je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi pour la faire. Là, c'est le pantalon qui est coupé et j'ai choisi un tissu que j'ai acheté sur les tissus Saint-Pierre. Je crois que ça s'appelle, bref, sur internet. Pour 3 mètres de lin lavé à 40 euros, clairement, ça valait le coup. Mais le lin lavé, là, je le trouve un peu épais. Je m'attendais à un lin lavé plus fin que ça. Je le trouve un peu épais, donc j'ai peur qu'au niveau de la taille, il faut faire des fronces. J'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. On va voir. Mais la couleur est vraiment sympa. Pour l'été, ça a l'air d'être relativement frais.
Je sais pas si l'épaisseur va rajouter de la chaleur ou pas. Mais en tout cas, je vous tiens au courant. Et bien sûr, la partie haute, où c'est un col en V, j'aimerais bien utiliser ce biais. Je ne sais pas si c'est possible de l'utiliser sur du lin, mais je trouve que l'association des deux couleurs, c'est vraiment chouette. Mais la question que je me posais, c'est si je fais le col en V avec le biais, est-ce que ça serait pas bizarre que je fasse aussi le tour des manches ou ça serait sympa de faire aussi le tour des manches? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que je fais uniquement le col en V avec le biais ou alors je fais tout, même les manches, enfin c'est pas les manches, mais le tour de bras avec le biais? Sachant qu'on ne retrouvera le biais qu'à cet endroit-là. Voilà, donc j'attends vos retours, vous me dites ce que vous en pensez. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est encore un projet couture. Là, j'ai 3 projets couture en cours. Et ce projet couture, c'est un gros projet. En gros, à mon boulot, on fait un calendrier de l'Avent. Et chaque personne qui participe au calendrier fait 25 petits objets. On se retrouve fin novembre pour se répartir les 25 petits objets. Donc chacune prend un objet de chaque personne. Et au fur et à mesure du mois de décembre, tout le monde ouvre la même chose. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, on fait un calendrier de l'Avent, quoi. Et je dois faire 25 objets. Au début, enfin, les années passées, j'ai fait des petits bracelets en macramé, en micro-macramé. J'ai aussi fait un porte-clés en macramé. Et là, cette année, vu que je suis à fond dans la couture et dans le tricot, ben, faire quelque chose au tricot, je trouvais que c'était trop long. Ça allait me prendre beaucoup trop de temps. 25 chaussettes, ou enfin, j'en sais rien, c'était vraiment trop de temps et d'investissement. Et en cherchant un petit peu sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo pour faire un sac à pain. Donc je me suis dit, allez c'est parti, cette année je fais un truc en projet couture, je vais faire 25 sacs à pain. La vidéo que j'ai trouvée et qui me semble la plus réalisable pour moi, c'est tuto couture, le sac à pain. La chaîne qui fait cette vidéo, c'est couture enfant et tricot débutant. Et grâce à cette vidéo, je vais apprendre à faire des coutures anglaises. J'ai jamais fait de couture anglaise. Ça m'a pas l'air très difficile puisqu'il ne s'agit que d'assembler 2 carrés, les coudre avec les coutures anglaises pour que ce soit joli de l'intérieur. Et en haut, mettre un ourlet pour y glisser un petit fil. Moi j'ai beaucoup de cordes de macramé, donc je vais glisser une corde en macramé pour pouvoir resserrer le sac. Donc je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Donc soit ce sont des tissus de récup que j'achète dans une association à côté de chez moi qui vendent pas mal de tissus comme ça. Soit ce sont des petites chutes de tissus que j'avais et que j'utiliserai pas pour autre chose. Donc on a un premier tissu comme ceci, petit éventail. Un autre tissu comme ça avec un petit motif fleur. J'en ai pas mal des comme ça, je dois en avoir une dizaine. J'ai déjà fait un projet avec. Et avec le reste, du coup, je vais faire ce petit projet là. Et le dernier, ce petit tissu rayé en coton. Simple, qui sera très bien. Je regarde. Ah non, il m'en reste un. Il y aura une personne qui aura son sac à pain avec des perroquets. Et pour le moment, j'ai découpé toutes les pièces. J'ai commencé à tester la machine à coudre dimanche, mais j'étais tellement dans un mauvais mood que j'ai arrêté parce que j'ai envie de prendre plaisir quand même à coudre. Et il faut faire les choses bien parce qu'après, si c'est moche, va falloir que je refasse autre chose, quoi. J'ai pas envie d'offrir quelque chose qui soit pas beau. Donc j'ai commencé à coudre ici. Et donc pour la couture anglaise, il faut coudre envers sur envers. Puis après, on va retourner le tissu et on va venir cacher la couture. Donc mes sacs à pain, je pense que je vais les présenter comme ça. Et autour, j'ai envie d'y mettre une petite étiquette que je vais faire sur Canva pour expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de faire des sacs à pain. Parce que c'est un peu un but aussi écolo, hein, d'essayer de... S'il y a 25 personnes qui arrêtent de prendre les papiers à la boulangerie et qui utilisent les sacs à pain, ça fait quand même pas mal de papiers en moins. Dans la vidéo tuto, le monsieur qui nous explique comment faire, il nous donne des chiffres qui sont très impressionnants sur la quantité de papier consommé en France pour le pain. On sait que nous, on kiffe la baguette, bah, ça a des conséquences aussi. Ça y est, je vous ai tout présenté, tous mes projets tricot, mes projets couture. J'avoue avoir été transparente avec vous. Je vous ai présenté mes galères en couture, mes petites galères en tricot.
J'espère que vos commentaires pourront m'aider à améliorer mon niveau. Et surtout, si vous avez une question sur quelque chose que je n'ai pas expliqué assez clairement, n'hésitez pas à me redemander, c'est avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Et je vous dis merci beaucoup d'être là et à une prochaine. Bye!